Hey! Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, grâce à Dieu, je vais bien. Je me présente, je m'appelle Caroline et je suis contente que tu aies appuyé sur cette vidéo. En tant que chrétienne, ou je pense n'importe quelle femme, en tout cas, quand tu commences, entames une relation avec quelqu'un, c'est pour que cette relation dure dans le temps. Donc, il faut que tu aies une base de cette relation qui va avec tes valeurs et les valeurs que Dieu t'a transmises, tu vois. M'étant préservée, en tout cas, jusqu'à mon mariage, il était pour moi important que mon époux, lui aussi, se soit préservé avant le mariage. Donc, je lui ai posé cette question. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? La deuxième question, quand je dis question, c'est-à-dire que c'est des sujets, on a parlé de ces sujets avant de se mettre en couple, avant de commencer une relation. La question aussi des finances. Quel est ton rapport avec l'argent? Parce que les finances dans le couple, à mon avis, c'est quelque chose quand même de très très important à parler. Est-ce que ton époux est OK pour dire que bah, l'argent que je gagne, c'est l'argent du couple, l'argent que ma femme gagne, c'est l'argent du couple, ou l'argent que je gagne, c'est mon argent? Et l'argent que ma femme gagne, c'est son argent. Très très important aussi, c'est ton rapport avec Christ, ta relation avec Dieu, ta croyance, ta religion. Je préfère prendre quelqu'un qui croit au même Dieu que moi, quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Son rapport, sa relation avec sa famille. Comment il est avec ses parents? Comment il est avec ses frères? Est-ce que sa vision de la famille, c'est comme moi? Ou c'est différent? Je lui ai parlé aussi de choses que je pense être importantes pour lui de savoir sur ma famille avant que lui s'engage affectueusement avec moi. Parce que peut-être il y a des choses qui peuvent le choquer et vice-versa. Tu vois, donc je pense que c'est quand même important de parler de ces choses-là. On sait déjà que dans le mariage, il y aura des problèmes. Donc, tant qu'on peut trier un petit peu, enlever un petit peu, éviter, faisons ça, évitons. Je te laisse en commentaire me dire ce que tu penses de ces quatre questions et de me dire aussi toi, qu'est-ce que tu as posé comme question à ton époux actuel ou à ton futur époux. Que Dieu te bénisse, toi, ta famille. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!